Accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom, Seigneur, grand Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, bonjour. Bonjour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en implorant la miséricorde de Dieu à travers le chant du Kyrie. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde en déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur reconnaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 2, les versets 16 à 17, puis 18 à 21 et suivants. Ainsi parle le Seigneur, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit. Dans la fidélité et la tendresse, je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Prions le psaume 144. Après chaque strophe, entonnant ce refrain. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres. On proclamera tes exploits. Je redirai les récits de tes merveilles. Ton éclat, ta gloire, et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur et tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Présent, veuillez vous lever pour l'acclamation à l'évangile.
notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Et il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule en fut mise en dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Alléluia. Amis internautio, frère Arsemio, dans l'évangile jodia, Saint Matthieu présente nous deux miracles. Résurrection, jeune fille, petite notable, et guérison, femme qui t'a souffri d'hémorragie, femme qui t'a perdu sang depuis 12 ans. Texte, Matthieu racontait, c'est une saute ligne à Matthieu, mais Luc et Marc racontaient texte. Gonti bémol dans le texte là. Dans Marc et Luc, ils parlaient de petite fille Jaïr. Et l'autre bémol, ils mettaient, ils dit que la fille a 12 ans. Tandis que dans l'évangile, ça nous saute liant, il n'a pas parlé, il n'a pas cité nos petites notables là, il a seulement dit qu'il y a une jeune fille. Mais tout, il n'a pas dit quel âge quelqu'un.
deux histoires ça yo, c'est deux histoires bouleversantes en même temps tout touchantes. Bouleversante parce que on est qui gon petite li qui mourit, petite fille qui mourit, li seulement rencontré avec Jésus, il dit Jésus, si ou posez mes sous ti petitement, la levé, la vive. Et l'autre histoire, c'est madame nan qui te gen sang qui a coulé sur lui depuis 12 ans. On moun on fi gen sang qui a coulé sur lui depuis 12 ans, qui gon hémorragie, nous ta considéré fi ça comme un cadavre ambulant. Son moun qui déjà mouri. Parce que là où anémie ou sujet à la mort. Des histoires ça yo révélez-nous la vie à li fait avec des imprévus. Vivre c'est s'ouvrir. Texte ça c'est un album imprévu. Longtemps nous te connait parler des albums en pile dans nous là. Te kon gen un album la kayo, chaque fois nous font photo, nous mettons nos pages album non. Je ne veux dire parce que ça presque pas la mode, album qui touchable, mais nous gon l'autre album, nous fait album non sur téléphone non, nous créons un fichier sur téléphone non pour nous dire ça son album côté nous mettons photo seulement. Et bien nous dit texte ça son album d'imprévu. L'imprévu est le premier ennemi de la planification. Premièrement, on a une demande imprévue, supplication, chef, ou bien supplication, notre table là, dans pied Jésus. Deuxième imprévu, c'est démarche là, c'est ton démarche imprévue parce qu'elle n'est pas planifiée. Pendant que Jésus était en route pour aller répondre à un cri de détresse, à un cri d'angoisse d'un papa, une femme qui était gravement malade, va retarder l'intervention de Jésus. Texte-là, nous avons dans le commencement la palène de Tifian, et dans le finissement la palène de Tifian, et puis dans le mi-temps, il parle nous des femmes qui sont sans rappeler sous l'IA. Il y aurait les ça dans le langage là, et littéraire, il y a inclusion. Ça veut dire, Fian, message fiant ou bien action fiant lui inclut dans texte là, ça veut dire il était dans mi-temps son inclusion. Eh bien ça qui va toucher Jésus c'est humilité, c'est geste d'amenant. Troisième imprévu c'est on annonce l'histoire de la femme malade ainsi que celle de la fille d'un notable. Ont une chose en commun. Ça en commun, hein, c'est la foi mounio. Tandis que si nous prenons texte Marc avec Luc, là, nous avons gagné deux choses en commun. C'est, non, monsieur, ça, oh, Marc et Luc, ils ont dit, Tifian gagne 12 ans, dame gagne 12 ans. 12 ans l'âge Tifian depuis le fait, et puis dame gagne 12 ans depuis sans couler sous lit. Mais dans le texte, ça, il y a un seul bagage qui est en commun. C'est la foi yo. Ouais dame nan pral di si me toucher ti kako Jésus m'a guéri. C'est une question de la foi. Jodi en frère Semyo, nous besoin gagner yon la foi qui solide. Nous besoin gagner la foi qui authentique pour bon Dieu capable agir dans la vie non. À chaque fois que vous demandez bon Dieu, yon ki choy, si vous demandez dans désintéressement, ou pas joini. Mais il faut demander la la foi. Dame nan dit, si me touche, ke kako Jésus, si me touche soutane Jésus, si me touche aube Jésus, m'a guéri. Et notable a dit lui-même, m'a supplié pour mettre main sous ti petit moyen. Frère Axemio, Zamie Tenot Nouyo. En dehors de Dieu, il n'y a pas de joie.
c'est pour nous toujours être collés sous bon Dieu dans toutes circonstances, parce que vrai la vie, c'est dans lui-même que nous avons besoin. Vrai qu'il est content, c'est dans bon Dieu que nous avons. Quelle que soit maladie que vous avez, frère Semio, bon Dieu est capable de soigner, il est capable de guérir, de vous avoir la foi, même Jean avec madame qui a eu 5 ans coulé sous lui, mais de vous avoir la foi, même Jean avec un papa, jeune fille, bon Dieu est capable agir dans la vie. Ou même qui a une maladie qui a bouleversé la vie, ou même qui a un cancer qui a bouleversé la vie, ou même qui a un problème qui a bouleversé la vie. Est-ce que vous croyez que bon Dieu est capable d'agir dans la vie? Mes frères, mes sœurs, tout au long de cette messe, reconnaissons l'inattendu de la présence du Christ dans le pain et le vin de cette Eucharistie. Que le Seigneur fasse quelque chose d'inattendu dans notre vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frère Maxime, nous, moi invite nous camper pour nous capables de faire litanie précieux sang de Jésus. Sans Jésus couler pour nous gagner la vie. Sans Jésus couler pour nous gagner la victoire. Sans Jésus couler pour nous gagner. Océan du sang de Jésus, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, notre force et notre pouvoir, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, ennemi des démons, libérez-nous. Même 61 encore. Même 61. Sans Jésus couler pour nous gagner la vie. Sans Jésus couler pour nous gagner victoire. Sans Jésus couler pour nous gagner. Précieux sang de Jésus-Christ, sans guérisseur, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sans qui oint, sauvez-nous. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, lavez les péchés du monde. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, purifiez le monde. Sans Jésus couler pour nous gagner la vie. Sans Jésus couler pour nous gagner vivre. Sans Jésus couler pour nous gagner. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, montrez-nous comment consoler Jésus. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, guérissez les blessures dans le cœur très sacré de Jésus. Sans Jésus couler pour nous gagner la vie. Sans Jésus couler pour nous gagner la victoire. Sans Jésus couler. Précieux sang de notre salut, nous croyons, espérons et avons confiance en vous. Délivrez tous ceux qui sont esclaves des esprits infernaux. Nous vous en supplions. Protégez les mourants contre les attaques des esprits mauvais et accueillez-les dans votre gloire éternelle. Ayez pitié du monde entier et donnez-nous la force d'adorer et de consoler le Sacré-Cœur. Nous vous adorons au précieux sang de miséricorde. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, grand Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits. Et en te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des gens, des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Oui, c'est vous qui sait tout bon, oui, c'est vous qui. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion,
et il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir en devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, spécialement les évêques nommés Sandez et Wismic, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Agnès Joseph, Danilo et Coralie Saint-Hilien, M. Leslie Philippe et Mme Berlin Philippe, Annie Bijou, Batol, Ducini, Bettina Brun, Cassandra Milfort, Cassandra de Villemi, Franzi Louis, Gabriel Enfirmin, Myrta de Colline, Jean Richie, Michel Junior Morisset, Quinton Louis-Jean, Luny Doucet, Marie-Michel Fortuné, Lindia Théodore, Maïso David, Daniel, Marie Carmel Séjour, Martine César, Martine Olivier César, Mercure, Raël, Monseigneur Théodule Daumont, André Michel Destin, Mike Ansley Réjoui. Nous implorons ta bonté sur Madame Lorna et Victor, Nadia Fabien. Nous implorons ta bonté sur Marjorie Champagne, Pierre Lorette, Quincy R. Josapha. Nous implorons ta bonté sur Raymond Amé Naïd, Pascal, Rivaldi Alimet. Et Sabine Saint-Louis, nous implorons ta beauté sur Rosemary Colin Noaille, Christina Pierre, nous implorons ta beauté sur Madame Wilner Saint-Fort, nous implorons ta beauté sur les bienfaiteurs, les bienfaitrices de la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, nous implorons ta beauté sur le clergé, les membres du clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, nous implorons ta beauté sur Armide et Colin. Et enfin, nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui sont présents à la dite Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pour la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise dans cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règles, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureux en sommes-nous, les invités au repas des noces en de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Au contraire, c'est moi-même.
Supplions Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. On doit faire prière au précieux sang de Jésus et Clégé a te dit ça dans l'annonce. Yon moun ki fè trentaine sa avec en pile la foi et ou pa bezwen comprendre ou pa bezwen pè ou pa bezwen gen doute ou pa gen on bénédiction on l'appelé bénédiction k'ap tombe sou on l'appelé de grâce k'ap tombe sou ça veut dire de pou prier ak la foi ou ap jwenn sa ke ou besoin an kontinye dispose non pou nou antre dans fin fond cœur non pendant que nous pourrons faire prière au précieux sang de Jésus. Très divin Sauveur, ensemble, qui avez donné votre vie, qui avez répandu votre sang précieux pour tous les pécheurs depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et pour tous les temps, daignez me purifier, me libérer, me guérir, me sanctifier, me pardonner. J'invoque la très grande puissance de votre sang divin pour tous les agonisants de ce jour, pour les saints amants du purgatoire, pour les pécheurs en état de se perdre, pour ceux qui voudraient se suicider, pour ceux qui ont l'intention d'atteindre la vie des tout-petits ou de leur prochain. Pour le salut de la Sainte Église, pour la sanctification du Saint-Père, pour des évêques, des prêtres et de tous les chrétiens. J'invoque votre précieux sang pour la délivrance d'Haïti et du peuple haïtien. Seigneur Jésus, vous qui avez versé votre sang pour la libération de tous les hommes, libérez par votre précieux sang tous ceux et celles qui sont tenus captifs. Seigneur Jésus, j'invoque la grâce de votre précieux sang sur les pécheurs pour leur conversion. J'invoque la puissance de votre précieux sang sur les malades. J'implore la puissance de votre précieux sang sur moi-même, sur les membres de ma famille. Un petit en silence dans le fin de nous. Au même qui sentit que tout son entreprendre n'a jamais marché. Ou même qui ont dossier que notre tiroir pas jamais déclassé, ou même qui ont maladie qui a ravagé, ou même qui senti que ont enchaîné dans fond cœur très précieux sang de Jésus tout doucement dans fond cœur très précieux sang de Jésus mon sauveur sois victorieux en moi sur mes ennemis et sur le monde entier. Que votre règne arrive, ô mon Dieu, par les très saintes larmes et le cœur immaculé de Marie. Amen. 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 On y a, on a passé dans la rubrique anniversaire. Et pas oublier, messe midi, c'est messe en l'honneur, messe neuvaine à Notre-Dame du Mont-Carmel. Ou même qui beaucoup recommandé Neuvaine Mont-Carmel là, passer dans le bureau, recommander septembre, ou bien à partir du jour de recommander Meslan, pour faire 8 jours dans Neuvaine et puis plus solennité. Oui, nous dit, nous avons passé dans la rubrique anniversaire là. Rubrique en pile monde remè, en pile monde content, rubrique ça. C'est un moment pour payer la prière pour vous.
personnellement, mais en même temps, vous payez au bénio. N'a pas souhaité l'anniversaire de naissance et de mariage et de baptême à tout le monde qui a célébré un anniversaire quelconque. Nous voulons dire joyeux anniversaire de mariage à Danilo et Coralie Saint-Ilien qui a célébré 6 ans de mariage. Nous souhaitons joyeux anniversaire de mariage à M. Leslie Philippe et Mme Berlin Philippe, eux-mêmes qui a célébré 35 ans de mariage. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Agnès Joseph, à Annie Bijot, Batol Ducini, Bettina Boin, Cassandra Milfort, Cassandra De Villemé, Franzi Louis, Gabriel Firmin, Jean Richie, Michel Junior Morisset. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Quinton Louis-Jean, Luni Doucet, Lydia Théodore. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance avec notre maestro, notre musicien, maestro David Daniel. Souhaitons joyeux anniversaire de naissance avec lui. C'est pour mon Dieu, continuez bénir, grâce à la bénédiction pour lui. C'est pour toujours être dans le service de mon Dieu et en même temps, c'est pour toujours être monde lié. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Marie Carmel en séjour, à Martine César, Martine Olivier César, à Mercure, à Raël. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à Monseigneur Théodule Andomont. Monseigneur Théodule, c'est responsable de l'hôpital Saint-François de Sales. Monseigneur Théodule, c'est, on nous souvent dit, c'est doyen, tout jeune père, conseiller tout jeune père. Monseigneur Théodule, que grâce bon Dieu continue à vivre des sauts, que bon Dieu lui-même lui permette de vivre plusieurs années encore. Dans ce joyeux anniversaire de naissance à André Michel Andestin, Mike Ansley Réjoui et Madame Lona Victor, dans ce joyeux anniversaire de naissance à Nadia Fabien, Pierre Laurette, Quincy R. Josapha, membre de la chorale Sainte Famille, dans ce joyeux anniversaire de naissance à Raymond, à Ménaïd Pascal, Rivaldi Ali Maître, Sabine Saint-Louis, dans ce joyeux anniversaire de naissance à Christina Pierre, Madame Wilner Saint-Fort, nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à tout le monde qui est assemblé, à bien tout le monde qui a suivi mes via Facebook et YouTube, qui n'ont pas dans fait qui n'ont même pas. C'est pour bon Dieu bénir, c'est pour bon Dieu se combler avec la grâce. Li. Et le monde qui a fêté, fête aujourd'hui, fête naissance, fête baptême, fête communion, fête mariage, si on est assemblé, on a demandé pour avancer devant pour nous capables. La prière et puis bénis-o. Merci à nous tous, à nous chaque. Merci à servant d'hôtel là. Merci avec le monde qui t'a chanté. Merci à maestro nous. Merci à tambourine nous.
Merci à monde qui propre l'église là, merci avec monde qui fait quête, merci avec en caméra ou monde nous, merci avec technicien yo, merci à nous toutes, à nous chaque qui fait déplacement pour nous la prier ensemble. On bat un gros gros bravo et bien pour propre cette famille. Nous avons invité nous tout à coup chaque pour nous camper, pour nous capables de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeurera jamais. Amen. En allez à cœur nous bien contents. Quelle que soit la maladie que vous avez, quelle que soit la souffrance que vous avez dans la vie, faites bon Dieu confiance, mon bon Dieu guérir, bon Dieu soigner. Bonne journée pour nous tous. Merci mon Père. Merci. Cheers.